Le talisman de Vanina, texte 3. Un bijou mystérieux. Quand Orso revint, la femme avala très vite le bol de soupe. Elle éplucha ensuite quelques châtaignes. « Ça va mieux ?» demanda Vanina. « Oui, tu es bonne, ma petite. » La femme parlait avec un drôle d'accent et les enfants pensèrent. « Elle n'est pas de chez nous. » Vanina l'aida à se relever, puis elle l'accompagna un peu sur le chemin. « Tu m'as sauvé la vie. Je n'avais pas mangé depuis 2 jours. Je vais au village où je connais quelqu'un. » Elle tremblait de froid. Vanina voulut à toute force lui donner sa veste en peau de chèvre. « Prenez-la, grand-mère. Vous en avez plus besoin que moi. » Orso pensa. « Ouh là là, que vont dire nos parents? Ça coûte cher, une peau de chèvre. » La vieille femme était émue, elle avait les larmes aux yeux. Au moment où ils allaient se séparer, elle prit la main de Vanina. « Tiens, dit-elle, à mon tour, je te donne quelque chose. C'est un talisman, garde-le toujours sur toi. » Vanina essaya de refuser, mais la femme lui glissa un objet dans la main et elle partit en s'appuyant sur son bâton, sans se retourner.